Paul de Saint-Cernin a une question. Anissa, je trouve ça fascinant, hyper touchant, la manière dont vous évoquez l'humanité de ces hommes et puis ces relations de pouvoir qui s'instaurent lors d'une relation charnelle et consentie entre cet homme, cette femme qui découle inévitablement sur une relation de domination. Et du coup, Pascal, mon voisin, se demandait, est-ce qu'on voit des nichons dans le film ou pas ?